L'ONU et la Syrie trouvent un terrain d'entente sur une trêve de 4 jours à l'occasion de la fête de l'Aïd. Une période durant laquelle le gouvernement cesse toute activité militaire. À l'origine de cette demande, on retrouve Lakhdar Brahimi, le médiateur de l'ONU. Les rebelles de l'armée syrienne libre respecteront cette trêve, mais se réservent le droit de riposter, disent-ils, en cas d'attaque de l'armée syrienne. D'autres groupes, comme celui du front al-Nosra, refusent de stopper les combats. Si cette trêve devait être respectée, ce serait la première du genre depuis le début de l'insurrection en mars 2011. Ces annonces interviennent après que la capitale, Damas, a été la cible de bombardements répétés. En 19 mois de conflit, le bilan total des victimes s'élèverait à 32 000 personnes tuées selon différentes organisations.